Donc bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler du crocodile, hein. C'est un exercice de gainage en dynamique qui est très présent en Systema. Et la difficulté de cet exercice, c'est l'effort physique qui est assez conséquent, parce que c'est un travail en gainage où les gens ont envie de pousser avec les bras. Alors que ce n'est pas du tout nécessaire, hein. C'est juste un léger gainage au niveau des bras. On peut rester très près du sol, il n'y a pas de souci. Et l'idée de cet exercice, comme dit Alexander Maximtsov, c'est de se reposer. Donc se reposer, c'est-à-dire qu'en gainage, quand on est placé, quand on a les appuis sur un côté, ben, l'autre côté est en repos. Et donc on alterne les temps de repos à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et du coup, au lieu que ce soit un exercice qui soit difficile, c'est un exercice où on se repose alternativement. Hein, je vous montre. Ici, voilà. Là, je suis en exercice complet, tout travail. Alors que si je bascule sur le côté gauche, le côté droit ne fait plus rien. D'accord ? Et si je bascule sur le côté droit, le côté gauche, ici, ne fait plus rien. À part un léger appui du pied, mais c'est vraiment super léger. D'accord ? Donc l'idée, c'est... Ici, je vais profiter de déplacer mes appuis pour aller déplacer la masse de mon corps sur ces appuis, comme ceci. Il n'y a pas besoin de pousser. Je déplace l'autre main et le pied et je déplace la masse de mon corps en faisant un pivot. Okay. Et donc, vous remarquerez qu'on passe d'un pivot à droite à un pivot à gauche en permanence. Je vais vous montrer d'un peu plus loin. Là, je suis relâché, hop, tranquille, tranquille. Donc voilà pour comment faire le crocodile, tranquille, en marche avant. Bien sûr, ça peut se faire en marche avant, en arrière, vers la droite, vers la gauche, en tournant. Les possibilités sont multiples. Allez, entraînez-vous bien.